pour Calmont demain matin, très tôt. Donc là, on va charger la Supra, on va la déposer chez Emrys Design. Ensuite, on va aller chez Ben Esport, on va charger la M3, le camion, le shop, les pneus. Et puis voilà, ça va être très très bien. On va faire des dérapages entre les barrières. Je suis content. Moi, j'adore décrocher des pare-chocs, de quelque manière que ce soit. C'est une passion. Si, il comprend très bien. T'es là. Non, mais il y a des gens qui peuvent se guider entre eux et d'autres non. Valentin, s'il guide, c'est mort. Ça parle dans mon dos, j'ai entendu. Hein. Ah, tu guides mal. Ah, moi, je guide tout le monde extrêmement bien, sauf Jérémy. On ne s'entend pas. Quand je lui fais gauche, il va droite. Quand il me fait gauche, en fait, je vais il me fait droite, donc forcément, oui. Non, et vraiment. Et quand tu te dis, bon, je vais m'adapter, il change de sens. Non, il a. Tu sais, c'est pas à tous les étages. Tu lui fais comme ça. Lui, il comprend pas qu'en fait, faut tourner là. Lui, il inverse. Donc, du coup, faut inverser. Non, il comprend rien. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un arvalo. C'est un balai brosse. Un arvalo. T'as vraiment agrandi. Tu nettoies ton objectif, vraiment. C'est. Non, c'est pesant. C'est pesant. Ah, plein de créneaux. Vraiment, il va arrêter. Ça me fout la haine. Du coup, t'attends le prochain péage. Bienvenue chez Brosse Design. Brosse Design. On est chez Garage. Chez Garage. Turbo 2000. C'est le seul, est-ce que je vous ai déjà dit que c'est le seul garage de France où tu peux déposer ta voiture à 19h30, ils la font dans la nuit et elle est prête le matin. Vous l'avez déjà dit ça? Eh ben je vous le redis. Est-ce que t'as déjà vu des vraies voitures de compétition, Jérémy? Non. Il y en a une juste derrière moi. Ça me fait très mal de dire ça. Mais c'est une très bonne voiture de circuit, la Mégane RS. Tu vois, je viens de choper une engine en disant. Abandonne là comme ça là, on la laisse ici. Il va la charger direct dès qu'il arrive, il m'a dit. Ok, bon bah. Merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. Comme depuis le début de la saison, c'est Mika qui va rouler la Supra. Sauf que là, c'est sa première fois entre les barrières de Calmont. Ça pue vraiment la merde, ton histoire. Bonsoir les amis. Est-ce qu'il est prêt, Arthur? Oui. Bah, Denis, il va rouler avec celle-là, ce qu'elle. Pas mal. Dans les petites routes à Calmont. Inch'Allah, là, on est dans la barrière. Et derrière, on est dans le talus. Là, tu vois, on s'est fait plaisir. On arrive à Calmont avec ça, on a intérêt de faire premier. Là, parce que si bien. T'arrives à Calmont avec ça, t'as intérêt de faire premier parce que sinon je te garantis que ça va rigoler. Regarde là. Attention, hein. Là, c'est du millimètre. Ouais, ça déborde. Devant, pareil. Ah oui. Ah, et là, c'est pour regarder dans là, il y a du t-shirt. Chronembourg à la poste, chronoposte à la bourre, pensez-y. J'ai fait de la pose de film anti-déflagration. Celui-là, ça va, mais alors l'autre, il est pas beau. Après, par rapport aux déflagrations. Cassoulet. Cassoulet. De toute façon, les déflagrations, elles sont terribles. Parce que c'est des gros consommateurs de cassoulet. Bah, puis ils ont des pots comme ça. Ils ont des gros pots de cassoulet, mon gars. Faut faire super gaffe. Quand j'ai reculé, je suis rentré dans le bâtiment. Alors du coup, ça l'a rayé. Ce qui est bien ou pas bien, je sais pas. C'est que je suis un peu moins de scrupules. Avec Jem l'année dernière, j'ai travaillé. Non, c'était Lou, mais t'avais abusé, ouais. Mais j'ai pas abusé. Bah, il est allé dans la terre. Fait... Tata. Mais il est allé dans la terre. Mais t'étais devant, abruti. Non, j'étais derrière. Non, quand t'as tapé le rack, t'as mis la photo, il y a les bouts du feu qui volent. Écoute, ça n'a rien à voir. D'accord. On en est où? Eh ben, on charge.
On entend le hibou. Ça illumine la tête. 1h34. Et je vais être obligé de faire le boulot de Cafon parce qu'il devait venir, mais finalement il vient pas. Pour une question de carrelage. Sombre histoire. Donc on a fini de charger, enfin. On va aller se coucher et puis on part dans 3 heures. Donc c'est cool. Heureusement, j'ai acheté du paracétamol. Du paracétamol ? Oui. Pourquoi tu nous regardes comme ça, toi ? J'écoute. Tu veux du paracétamol ? Allez, dis à demain. Faut couper. À demain. Dis à demain, toi aussi. Allez ! À demain. Bonne nuit, les petits. Bonjour, il est 7h21 et on part pour Calmont. Oh, la lumière derrière. On va se partir pour 7 heures de route. Tout à l'heure. Quel style incroyable. Non, si, si. Appelle-le. Appelle pas maintenant. T'es au-dessus du réservoir de GPL, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, il copie le. Regarde, va filmer ce qu'il y a en face. Quel con. Vous allez vous faire mal au bras, hein, tous les deux. Il craquera avant moi. Ah, il va super vite. Ah, vous êtes là, vous? Ça va? Hop, changement de lunettes. Eh, hey, tu sais comment il s'appelle le vendeur? On passe sur des modèles professionnels. Tiens, pensez bien à sucer vos dents. Hein. Ainsi que vos grands morts. Bah peut-être qu'on leur dise un jour qu'on les aime pas, ces mecs. Oh non, bah je leur fais comprendre assez régulièrement. Hein. Moi de toute façon, j'aime personne à part ma mère. Alors, je dis pas que j'étais stressé, hein. Mais faut vraiment avoir confiance pour laisser sa caisse dans les mains d'un pote sur cette course-là. Et j'ai confiance. Au pire, on s'en branle, je crois que Mickaël, il est carrosse. Je dirais pas comme ça, hein. Mais déplacer et faire rouler 5 voitures, c'est énormément de matériel, de travail et de copains. À taper le salé copain. À Calmont, on était une quarantaine, avec les mécanos, les médias et les spotters, entre autres. Quel ramassé de connards. Alors, c'est long pour tout installer, mais à chaque fois, c'est un bon gros moment de rigolade qui nous détend tous avant le début des choses sérieuses. Mytho, à chaque fois qu'on installe, t'es tellement une play, y'en a pas un qui t'approche. Putain, j'ai fait de ces runs là ce matin. Gros run là ce matin. Allongé, mais en fait, c'est j'ai fait première, deuxième, troisième et c'était fini. Terminé, bonsoir. Vous avez vraiment des trop belles casquettes. Et dites-vous que même moi, j'ai pas le droit d'en avoir. Non, c'est mort. Tu en veux une, tu payes. Mais même si je paye, il veut pas. Qu'est-ce que tu fais? Petite patte lance là. Ah. Avec une disqueuse à la main. Mais... Et c'est une disqueuse Milwaukee. Milwaukee. C'est quoi qui est pété? C'est pété, c'est l'arbre de transmission. Encore? Ça fait 3 cette année. Rapide. Ah oui. Ah oui, il est bien pété. Hein, hein? Il est pété propre. Hein? Ouais, bien correct, ouais. Tout net. Ah, prends le pas dans la gueule, par contre. Du coup, on en a un? Ouais, c'est bon, il est derrière toi. Et lui, il était sur un bateau. Mais tu sais, comme c'est petit, tu veux passer 931 chevaux là-dedans? Bah ouais. C'est trop petit, ça. Non, mais là, il y a genre 1000 chevaux qui passent là-dedans et ça pose de problème à personne. Ça fait la taille de ton doigt. Je lui ai redonné de l'angle, ouais. Gaz à fond, wow, ouais, elle est montée, j'ai dit, oh, tuerie, c'est trop bien. Ouais. J'ai vraiment adoré, c'est bon, j'ai pas cool. Pu en refaire un, ouais. Mais je le sens bien. Impeccable. Bah alors il a cassé l'auto. C'est bah, pas lui, hey. La dépanneuse, elle lui a reculé de temps. Une dépanneuse, je suis tranquille, auto-key et tout, et là, blaah. Et c'est là qu'on voit l'intérêt des ailes carbone. Merci d'ailleurs, Grams Styling en Angleterre. Que n'empêche. Une dépanneuse qui a tapé dedans. Elle est à peine rayée. Là. C'est là que tu vois que le carbone, ça a son utilité. Ouais, c'est costaud, ouais, c'est clair. J'ai abîmé la voiture, mais j'ai pas, mais sans rouler.
le bruit que ça a fait, ça sent la soupape descendue. Ça. J'ai peur que ce soit le moteur qui soit passé à travers là. Bravo Mika! Ouais. T'as vu quoi? C'est pas joli. Pourtant, depuis qu'on l'a ramené, elle dort tout le temps chez toi. Ouais. Les bougies un peu rouillées, on s'en bat les couilles, hein. C'est surtout là que c'est chiant. Je crois que ce week-end, nous, on n'est pas vernis, mais là, il y a des morceaux partout. Bah, c'est sûr que de toute façon, si ça allait taper, au bout d'un moment, les morceaux, si ça se trouve, c'est des. Ouais. Et tu crois que ça a pu taper les soupapes? Non, les soupapes, je pense pas. Mais si. Je sais pas. Après, le truc, ça tape pas, mais il y a quand même le retour de tes soupapes. C'est ton ressort à 6-7 000, il remonte pas, c'est des ressorts d'origine en plus. Ouais, non, mais ça, c'est pas. En fait, c'est ta courroie, elle casse. C'est bien. Oui. Mais là, elle est restée dessus. Après, ça se trouve, elle s'est juste levée. Tu vois ce que je veux dire? Les dents ont sauté dessus. Ouais, ce que j'ai peur, c'est que. C'est revenu dessus après. C'est qu'avec la vitesse. Et les ressorts, ils ont tous les soupapes, on n'a pas eu le temps de remonter, sur les taper. Après, tu sais, ça va vite, hein. Tu remets la courroie, tu mets un compressiomètre, il y en a qui en ont, même Yazid, il en a un, tu vois tout de suite. Ouais, je te le dis tout de suite, t'as la gueule des bougies, le compressiomètre, il va prendre. Tu mets 3 coups de démarreur, si t'en as un à 8, bon, c'est pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, elles étaient nickel avant de partir, c'est ça qui est grand. Putain, on a mis tendeur pour One-Up. Certains week-ends sont plus difficiles que d'autres, et celui-là commence plutôt mal. J'ai fait un seul passage avec la M3, j'ai déjà cassé un arbre et un cardan, et on dirait que le moteur de la Supra est cassé. Et hop, ça dégage. Et comme d'habitude, la team est à fond pour faire le maximum. On n'est pas comme toi, nous, Narval. Ouais, toi, tu commences vraiment à me saouler, là. Viens ici. Dégage, aïe, allez. Aïe, aïe, aïe. Non, pas le slip. Ah. Là, tu seras pente, tu seras beaucoup plus court. Tu seras... Là, t'es sur quoi, 2-3, non? Ouais, 3. Ouais, bah, tu seras sur 4, si on peut te voir, là. Ça. Là, c'est un 4-44. Je vais 2-3, je vais partir en 2, et puis là. Bah c'est celui qu'il y avait au début quand t'avais le V8. Ouais. Et qu'on avait changé après le moteur sur. Ah ouais, ça tirait court sa mère. Ouais. Okay. Bah après bah là c'est calmement donc. Ouais, ça fait, ça fait. Mais... De toute façon on attend, on fait avec. Mais hein. Ce qui me fait chier c'est que j'ai pas les câbles de réglage ici pour l'entre-dent. Ah, je sais pas comment je vais faire. Pas quelqu'un qui a ça? Je sais pas. Stop that. Bon les gars, là ils se sont déchirés pour que ça marche. Ils ont bricolé un pont. Ils ont changé les internes, vraiment ils se sont troués le cul, donc j'espère vraiment que ça va marcher, que je puisse au moins faire un ou deux passages d'essai, ça serait cool, parce que là c'est chaud quand même. Allez, on part derrière la Supra en plus, on a eu peur, on a cru que le moteur était cassé, finalement non. Allez, ça va le faire, ça serait vraiment bien que ça le fasse là. I take on the east, I'ma put him in a cage, never let out the I am trapped in the maze, look too quick, can't stop for the talking. I am trapped with the boys, not so tough, let me just keep walking. Just too sharp with the prize, got girls that tell me I'm awesome. Hot like fire on the pine, if you wanna touch my please use caution. Bien entendu, la voiture du team Switch Rider, Mickaël, la Toyota Supra pilotée par Mickaël Lahaye.
Alors c'est marqué S14 Rocket Bunny, mais c'est censé être sa peinture S14 Rocket Bunny, mais c'est pas grave. Il pense la Supra de Tchouf. Déclenchement un petit peu trop intérieur, du coup on est loin du clip, mais c'est pas grave. En extérieur, skip 2. Va falloir aller chercher ses clips, Michael, parce qu'il y a 57 pilotes qui sont là pour en découdre. 4, transfert 5. C'est safe. Il a raison, faut faire safe aussi. Validez-moi sur les réseaux si c'est bien aujourd'hui ou pas. Sixième place pour Mickaël. Là et Mickaël, merci à lui pour ce run. Qui balance des mauvais conseils. J'espère que vous avez donné un bon conseil à Denis Bertrand, la magnifique BMW E46. Si vous suivez le drift, cette BMW E46, elle est super connue. Depuis des années. Étape déclenchement pour Denis. Il est large. Ouais, c'est pas mal. Oh, la faille s'est remportée. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand on est un tout petit peu trop large, on s'est très facilement emporté sur ce type numéro 2. Du coup, il a raté le 3. Un peu loin du 4 ici. Prend le meilleur run des deux passages. 11e place pour Denis Bertrand, malheureusement c'est un full zéro. Jason Banet, c'est parti. Top départ pour Banet Sport. Ouh là là, il est très extérieur ici, là, ça va très très vite pour Jason. On a vu la caisse qui bouge. La fumée, on en voulait, on en a hein, ici. Ah, il est du même club que Mathias, hein. il a laissé le pare-choc. Effectivement, troisième place pour Jason. Le champion de France en titre, Jérémy Mérirès, pilote qui porte le numéro 1 au volant de cette BMW E92 du team Banet Sport. Ouh là là là, non, la casse, non, c'est pas la première fois. Clairement, un énième jardin. C'est deux premiers lancements, je vous explique les essais de Jérémy. Premier essai, il casse la trappe, ils sont chauds aussi sur la live, hein, je te rassure. Mickaël Lahaye avec la Supra Switch Raider, ils sont chauds aussi sur la live, c'est toujours pareil. 40e, hein, Mickaël Lahaye. Pareil, il fait partie des pilotes qui peuvent se qualifier. Mais il est bon, c'est loin d'embrasser avec l'avant de la voiture, d'embrasser la barrière. Je me souviens bien, il était très loin des fins, ça bouge énormément. 38e place malheureusement pour Mickaël Lahaye, ça ne passera pas sur ce run numéro 2 pour Mickaël. Et Denis Bertrand, top déclenchement, 43e pour l'instant, c'est pas qualif hein, pour Denis. Il est généreux sur la 35e place pour Denis Bertrand, malheureusement ça ne fera pas l'affaire pour aujourd'hui. J'ai hâte de voir vos coms. On attend toujours le départ de Guigui de Lille, Lyon, Belgique. Salut les Belges, Toulouse, la Suisse, bien entendu, ça va vite. Annecy, Poitiers, Le Mans, de partout. Je regarde après vos coms. Guillaume Glio, top départ, run numéro 1. Malheureusement, c'est son premier en équipe de bon moment. Déjà mangé depuis le monde de Nevers. Il est dans toute la France. Guillaume Glio sur son run numéro 2, ça donne quoi? Et c'est une 23e place pour Guillaume Glio. Il passe dans ce top 32, ça n'a pas été facile pour lui après. Et c'est parti, l'info a été passée, le feu passe au vert. Top déclenchement.
ce premier coup des essais généraux. Le transfert clip, pro, clip 2, pardon. Très extérieur ici, oulala, il est membre. Il vient lâcher la barrière sur clip 3. Clip 4, il est très intérieur aussi. Il va continuer, je suis sûr, sur clip 5. Toujours aussi des généraux. Oh là 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 là. Une meilleure note sur ce round numéro 2. Oh, première place pour Jason Banner. Oh là 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 là. Ah, c'est fou. C'est dingue. C'est dingue aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe, ils ont mangé du lion, c'est un truc de dingue. Et top départ pour la dernière qualif de la journée du round 5, ici à Cabo, avec Jerry Mérigas, le champion de France en titre. Il est large, il chute, alors il bouge un peu de poussière, mais c'est pas grave. Il est super large ici, il vient faire un kiss on wall sur le clipping numéro 3. Très intérieur, ça crie dans le public. Clipping numéro 4 sans pare-choc. Il est là, il tient jusqu'au bout le pare-choc. Clipping numéro 5. Ah là, il est resté accroché. Je crois qu'il y a un seul résident qui accroche le pare-choc pour le moment. Eh bien, il nous a rigolé. Il nous a régalé. 8ème place pour Jérémy Mérires. Félicitations à lui. On va voir le tableau récapitulatif. On n'a pas fait beaucoup de débriefs ce week-end. Bon, en gros, hier, c'était une journée de merde. Non, c'était une bonne journée. On a vu du monde. On a vu plein de monde. Il y a plein de gens qui sont venus nous voir. Ça fait super plaisir parce que, comme d'hab, on est au cimetière. C'est le Calmont, donc c'est grand. C'est difficile pour les gens d'arriver jusqu'à nous, des fois. Et il y avait la queue jusqu'au milieu de la rue. C'était de la folie. Donc ça fait super plaisir. C'était quand même une bonne journée. On a vu plein de monde. Des gens qui reviennent tous les ans. Des gens qu'on n'avait jamais vus. C'était trop bien. Par contre, niveau bagnole, c'était pas ouf. J'ai fait deux runs dans la journée. Viens, Guigui. Moi hier, bonjour. J'ai fait deux runs dans la journée, j'ai cassé un arbre, j'ai cassé un pont. Guigui, bon ben, il a cassé les couilles, du coup. Il a oublié de monter pour son run. Il est arrivé en retard. Voilà. Du coup, zéro premier run. Voilà. Tous les deux. Parce que, ouais, bah voilà, pareil. Je voulais pas le laisser en galère. C'est gentil, merci. Mais j'avais pas roulé encore. Ouais, mais j'ai... Okay. Deuxième run, du coup, il allait se présenter un peu en avance. Ouais. Il a pris une tente Quechua, voilà. Bah là, j'étais bien en avance. Pas de problème. Et bah du coup c'est passé. Tu es 27 et tu tombes contre Axel François. Eh ben bon courage. Moi je suis 8. Oui. Voilà. Oui, parce que le mec ne roule pas hier, roule pas beaucoup ce matin, et puis bah il fait 8. Mais de toute façon je me suis dit là maintenant. Ça se voit que. Elle m'énerve. Oui, bah ça se voit. Là elle m'énerve, je lui ai dit de toute façon, soit elle prend tarif. J'étais avec Berton, il me dit bah là il est énervé de toute façon. Ah oui. Voilà, oui, là j'étais énervé là. Bonjour. Eh oui, s'il vous plaît, monsieur. Bonjour, s'il vous plaît. Ah bah oui. Ah bah Denis, oui. Bertrand. Denis. Venez. C'est pas qualifié. C'est mais c'est, enfin, mais on va discuter, allez. Amar. Et t'es premier là. Amar. Ouais. T'as fait la pole là. Ouais. Bon bah c'est un minimum. Bah t'as fait 600 runs d'essai, c'est un minimum. Puis avec Calmont, tu fais toujours la pole. C'est vrai que j'ai beaucoup plus roulé que au Buster. Ah bah c'est pas compliqué. En général, j'aime bien ce tracé. Donc bah pas grand chose à dire du coup. T'es en battle contre bravo. Bravo. Chiant quoi. Finalement, en fait, le mec est vachement redondant, il fait la pole tous les ans Calmont. Le mec ne se renouvelle pas. Non, il se renouvelle pas. Mais aucune prise de risque. Duns, il nous a fait un déclenchement hier totalement incroyable. Son premier Calmont. Il a laissé son premier pare-choc. Ouais. Son premier phare, sa première aile. Ah, quand même. Oui, il y a eu un peu de petit peu de carrosserie. Tout chape. Ouais. Bon, aujourd'hui, plus dur. Ouais, bon ben, les circonstances sont un petit peu plus tendues. La pression. Ah, mais la première année en pro, c'est la pression. Il y a un truc aussi, c'est que en gros, la troisième fois, même pas qu'il roulait, il expliquait ça. Aussi, c'est vrai qu'on s'est lancé dans Calmont. Oui. Voilà. Qu'elle est un peu énervée quand même. Oui, c'est quand tu lui mets un coup d'embrasse, elle fait pas comme la tienne. La Croix était très énervée. Ben là, ils ont mis une transmise plus courte et ils ont remis des chevaux pour qu'elles soient encore plus énervées. Dans Calmont. Ouais. Donc félicitations, Denis. Déjà, si tu t'es régalé, c'est le meilleur. C'était bien, mais t'es pas loin en plus. Hein. T'es pas non plus. On a Jérémy Mérès sur la Supra. Alors, Mika, il nous a fait un truc incroyable. Alors, en fait, il a cru que c'était une compète de Gymkhana, il a évité les cadets blancs. Et quota ? Toi t'es content ? En fait je crois qu'il y a eu plus de sport que de sport mécanique ce week-end. Et toi t'es qualifié ? Non moi je roule pas. Oh putain. Bon. C'est pas tout, mais on en a marre de vous parler. A plus tard. Ciao ciao.
Jason Bonnet qui est leader face à Alexandre Lemaire, et top départ, top déclenchement pour Jason Bonnet. Alexandre Lemaire qui accuse un petit peu le plus sur ce déclenchement. Attention, la caméra ici qui filme le clip numéro 2. Alors, Alexandre Lemaire est obligé de couper un petit peu le troisième corps pour suivre l'avion de chasse piloté par Jason Bonnet qui termine assez facilement de belles choses. On va peut-être voir ça avec le run numéro 2. Donc Alexandre Lemaire cette fois-ci qui passe en tête. Oh là 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 là, la proximité de Jason Bonnet. Victoire Jason Bonnet. Couleur Bonnet score. Et Nicolas Joueur, lui, c'est pas mal pour l'instant, bien engagé cette première partie de tracé. Il a le feu Nicolas Joueur sur cette première partie de tracé. Il lâche pas la corde avec Jérémy Mériès. C'est un beau travail de la part du pilote de la BMW 36 Compact. Ouh là 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 là. Avec les autres, tu vois. Mais c'est tous les meilleurs, mais celui de Calmont particulièrement incroyable. Donc merci. Et puis je vais venir vous rejoindre maintenant. Donc ça le François très rapide aussi avec la GT86. Hein. Une GT86 face à une Nissan Skyline R33. Déclenchement très proche de la barrière, on a vu les banderoles s'envoler au passage de la Skyline. Oh, il est très large, oh, c'est bon, il nous a fait une belle frayeur ici, il a pas lâché, il est du coup un petit peu loin du clipping numéro 3, mais c'est pas grave. Oh, attention à Axel François qui arrive, je pense, pied gauche pour garder la proximité. Attention, regardez les pare-chocs qui sont touchés sur le transfert devant le public. Oh là 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 là. Est-ce qu'il victoire d'Axel François? Hein? Ton débrief vite fait s'il te plaît. Ah non, t'as chié. Non, bah c'était cool, c'était à prévoir, mais je me suis chié tout seul. Ouais, je me suis dit, tiens, si j'allais un peu dans la terre, j'ai vraiment cru que j'allais me mettre dans le fossé au début. Et tout, non, bah Axel a trop bien. C'est une fin de course, mais c'était cool. On a un peu cassé l'autre. Bon, bah là, il y avait déjà le 2021, on va en refaire un avec 2022. Chaque année en fait. Voilà. Oh. Bon, bah maintenant, on va aller boire de l'eau. Jason Bonnet, le poleman du week-end face à Nuno Pinto, et c'est parti, top départ, on est donc en top 16 hein. Très 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 rapide la preuve, eux vont le faire, c'est Nuno Pinto et Jason Bonnet. Je suis sûr qu'ils sont déjà abonnés à la page, je suis certain. Oh là 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 là, la proximité de Jason ici qui lâche rien sur ce clipping numéro 3, clipping 4 sans problème pour les deux pilotes. Clipping 5, le transfert très très bien synchronisé. Il vient se recoller sur la voiture du pilote portugais. Encore une fois extraordinaire.
les choses arrivent. Jason Banet qui remporte. Enfin, on s'y attendait. On ne tombe pas des nues avec ce résultat. Et bon, on va voir. Il faut passer cette étape-là. En tout cas, pour arriver sur le podium, il faut obligatoirement passer cette étape-là. C'est le top 8. Rapide comme toujours Jason. En tout cas Jason Banet pour l'instant là il va s'élancer en tant que suiveur. Il faut absolument qu'il passe cette étape comme je l'ai dit. Et Nicolas Dufour aussi d'ailleurs. Il faut qu'il passe cette étape s'il veut assurer le coup sur son sur ses qualifs. Enfin sur ses qualifs, sur cette battle et assurer les points au classement général. Quel travail! Et c'est une victoire de Jason Banet! Et de retour en direct avec mon ami Jérémy. Jérémy, vas-y, décale-toi un tout petit peu, voilà. Là. Voilà, on n'avait pas le retour. Salut Jérémy! Eh ben salut, ça va? Casmeka? Ouais, Casmeka, encore un petit pont. Ouais, un pont cette fois-ci. Ouais. Donc toute la transmission y est passée ce week-end. Exactement. Les cardans, la transmission, les ponts. Et bien écoute, je te propose de rester un petit peu avec moi pour la suite de la compétition. Ouais. Il reste quelques runs, notamment Jason, voilà, qui va s'élancer là maintenant, dans quelques instants, face à Mathias Lucatelli. T'as un prono toi ou pas? Il n'y a pas de prono, c'est deux fous. Et ils sont techniquement au top les deux. Donc en fait, ça va être. Je pense que ça va être une grosse battle. Il n'y a pas de prono possible, hein. Et top déclenchement du coup Jason Banet, Mathias Lucatelli qui va essayer de garder la cadence hein, et Jason qui tient le coup, qui est très rapide mais qui se fait suivre hein, par Mathias. On a dit que ça allait être la guerre et c'est la guerre. Il ne lâche pas du tout, il élargit pas Mathias. Ouais, il élargit pas, ils ont été un petit peu loin du clipping numéro 4, on n'était pas en train de lécher la barrière, mais si Mathias il entend le moteur de Jason, bon, l'avantage c'est qu'il est assez bruyant, donc on a facilement tendance à l'entendre. Pour l'instant il l'entend plutôt bien, le transfert un petit peu, oh là là, Mathias qui s'extériorise et qui a vu le roue au clipping numéro 2. Clipping numéro 3 passé sans problème pour les deux pilotes, c'est une même erreur à chaque fois sur le, deux, ouais. Sur le deuxième passage, ils sont loin du clipping numéro 4. Oh le dive! Oh le contact! J'ai l'impression qu'il y a eu contact entre Jason Banet et Mathias Lucatelli. C'est une victoire de Jason Banet! Victoire de Jason Banet! Et c'est parti, top départ! Cette fois-ci, c'est Jason Banet qui est leader face à Anthony Rocci. Le déclenchement validé proche de la barrière pour Jason Banet. Anthony Rocci qui va jouer la proximité sur les deux premières parties du tracé. Dernier clip, deuxième clip, troisième clip validé. Ça fume déjà très très fort pour Jason. Il va falloir suivre la cadence avec un petit peu moins long peut-être pour Anthony Rocci. Dernier virage, ça va jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est validé pour les deux pilotes. Et le top départ est donné, vous avez été opérationnel. Merci calmement, vous êtes au top. Et c'est parti Anthony Rocci qui appelle contre appel très proche de la barrière sur le clipping numéro 1. On enchaîne clipping numéro 2 et je vois pas d'où je suis mais c'est pas grave. Clipping numéro 3. On vient qui ça? Oh là 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 là, quelle proximité, le transfert sans problème, très bien synchronisé. La ligne est magnifique de la part de Jason. Oh là là, le transfert ultra proche. Oh là 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 là. C'est peut-être pas fini hein. C'est peut-être pas fini. On attend le résultat, il peut y avoir encore un résultat nul, il peut y avoir un one more time, on ne sait pas. Tant que les juges n'ont pas donné le résultat, je vais récupérer d'ailleurs le résultat auprès des juges. Thank you.
Elle a gagné, elle a gagné. Je le perds. Il a cassé. Je pense parce que j'arrive. Elle a calé. Il a serré, je pense. Voilà. Voilà. Allez, à toi. Bah moi que dire, entraînement, faut foncer. La voiture va bien et il faut que je la jette plus, que j'ai moins peur des murs. Mais première fois qu'elle monte. Première fois qu'elle monte, donc par contre du positif de ouf, parce que deux runs avec des points, même si ça manque de proximité avec les murs. Mais belle expérience, vraiment. Tu ris, la voiture elle marche, c'est cool, c'est encourageant. Bon week-end quand même. De ouf. Bon. Moi j'ai kiffé, j'ai fait beaucoup de plaisir. Et toi alors? Moi par rapport à tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Bah j'ai recassé un pont. Au top 32. Mais j'ai quand même passé une bonne après-midi, hein, parce que je suis allé dans le public et tout, c'était rigolo. J'ai commenté avec Tom, c'était rigolo. J'ai jamais eu aussi chaud de toute ma vie. À très peu de devenir la première communauté de drift. Ouais. Starfou là? Ouais. Le week-end? Ouais. Impeccable? Nickel. La voiture? Top. Toi? Nickel. Ta femme? Parfait. Ta mère? Top. Super. On arrête là? La voiture a roulé. Alors les gens ne croyaient pas tout ce qu'on décrit. Mais avec 300 chevaux, heureusement qu'elle est fiable. Dans le live, bah au moins elle a roulé elle. Hey gros, moi j'ai fait sauter une distri, j'ai reroulé. Ouais, c'est vrai que Mika est un peu fort. Que Jérém, lui, une petite transmission, il s'arrête. Aucun effort. Bref, forcément, je me qualifie, je tombe contre qui? Oh. Axel François. Donc bah rien. J'ai roulé, il a bien roulé, c'était cool. J'ai perdu, il a gagné, voilà. Et après, on a admiré Jason faire du sale tout le monde. Ça, c'était cool. Mais ouais, ouais, putain, je suis con, ouais. Bah, c'est vraiment pas. Et vous avez déchiré le shop, et ça, c'était super cool. Du coup, je remets, là, faut remettre le shop en ligne, comme ça vous allez dessus. Et puis en même temps, au passage, vous abonnez à la clochette. Vous faites dans l'ordre, vous faites l'abonnement, la clochette, le shop, un petit t-shirt, comme ça on peut acheter des cardans à gérer. Je peux pas communiquer sur ce qu'on était en train de dire. Non, pas du tout, mais alors vraiment, vraiment. Je suis content, ouais. J'ai fait double gagnade. C'était très beau, il a tout bien fait. Merci. Non, je suis content, ouais, j'ai fait premier au qualif, et bah parce que j'étais un peu fâché avec les qualifs depuis le début de saison. Oui, bah là, du coup, c'est bon. Du coup, là, c'est bon, ça va mieux. Et bah, j'ai gagné, voilà, je suis super content. Bon, peut-être qu'il y a un petit problème à la finish line. C'est rien, c'est une durée de dos qui a sauté. Oui. D'ailleurs, et grand merci au papa de Petit-Zob, Maxence. C'est pareil. Attends, et aussi, regarde, grand merci à Petit-Zob et Fred. Attends, regarde. Et ton coup de soleil sur Cyril, qui, je sais pas, il est mort ou non? Cyril? Ouais. Il est mort, ouais. À nos médias qui se sont déchirés tout le week-end pour vous faire une petite vidéo. Ouais. Et tu la reprends la caméra maintenant. Ça y est, c'est pas fini, hein, le travail. Et donc à son papa qui nous a fait la nourriture tout le week-end. Je sais que le resto a une petite page Facebook, on mettra le lien. Allez juste mettre des likes. Merci à tous d'être venus nous voir, en tout cas ça fait plaisir. Vous êtes des fous, il y avait la queue jusque dans la rue. De ouf. Et le public était trop chaud. Même quand j'étais sur la dépanneuse, les gens ils étaient contents et ils nous encouragent. C'est génial. Phil Dépanne est vraiment très content. Phil Dépanne est un professionnel. Phil Dépanne, très franchement, bien. J'ai fait trois baptêmes de Phil Dépanne, de dépanneuse. Toi, t'as le record là. En fait, t'as limite fait plus de montées avec Phil Dépanne qu'avec ta voiture. Exactement. Alors, ne rigole pas, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai fait plus, parce qu'après, on passe par le village et tout. Plus de distance en Phil Dépanne quand même 3 secondes. Et je peux vous dire que c'est une expérience qui est concluante. Je pense que je vais me convertir en Phil Dépanne. Ouais. On va recruter Phil. Et puis voilà, ça va être cool. Donc voilà, abonnez-vous, pensez à vous abonner aux réseaux sociaux, pensez à vous abonner aux réseaux sociaux de Valentin Faton. Sosie officiel de Fidel Castro. Cut. S'il vous plaît tout le monde. Allez, bisous, on y va. Alors, messieurs, dames.